d'être absent de lui sur le service et le don de soi. Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales, Messieurs les anciens recteurs et vice-recteurs de l'UAC, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, chers collègues enseignants et chercheurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs les étudiants, Mesdemoiselles les étudiantes aussi, Mesdames, Messieurs les professionnels des médias, je voudrais d'abord remercier le recteur et son équipe qui m'ont fait confiance pour présenter cette communication sur le rôle de la coopération dans l'assurance qualité et l'excellence dans le centre universitaire. L'objectif est simple, il s'agira de décrire quelques caractéristiques fondamentales d'une coopération au service de la qualité et de l'excellence dans nos centres universitaires. L'Ecclésiaste disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je ne vous dirai probablement pas l'assurance de la qualité et de l'excellence dans les centres universitaires. Le plan de la présentation est le suivant. D'abord une introduction. Ensuite, nous verrons premièrement les concepts de base. Deuxièmement, l'état des lieux. Troisièmement, les bases de cette coopération interuniversitaire. Quatrièmement, les volets de renforcement de cette coopération avant de conclure. Les principaux éléments qu'il faut souligner en introduction, l'université est une unité de production, ce n'est pas la définition habituelle, mais c'est la réalité. L'université est une unité de production de savoir, de production de ressources humaines, puisque c'est à l'université que sont formées les ressources humaines pour les différents secteurs d'activité de la nation. Et une unité de production de services, puisqu'il y a des services à la communauté. Cela signifie donc qu'il y a des exigences de qualité et d'excellence qui doivent nous préoccuper. Il y a aussi les attentes des clients de l'université. Qui sont-ils? Il y a les apprenants, il y a les personnels enseignants et de recherche. Donc, premièrement, c'est que l'université est une unité de production. Ce n'est pas la définition habituelle, mais c'est la réalité. L'université est une unité de production de savoir, de production de ressources humaines, puisque c'est à l'université que sont formées les ressources humaines pour les différents secteurs d'activité de la nation, et une unité de production de services, puisqu'il y a des services à la communauté. Cela signifie donc qu'il y a des exigences de qualité et d'excellence qui doivent nous préoccuper. Il y a aussi les attentes des clients de l'université. Qui sont-ils? Il y a les apprenants, il y a les personnels enseignants et de recherche, le recteur a beaucoup fait allusion à eux tout à l'heure, les responsables politiques et administratifs, les différents partenaires techniques et financiers, qu'ils soient au niveau étatique ou non. Les attentes de tous ces clients-là nous obligent à être attentifs aussi aux exigences de qualité et d'excellence. Il y a aussi la faible efficacité interne et externe de l'université qui est parfois source de certains discrédits. Il y a les contraintes économiques qui obligent par exemple à lancer ce téléthon. Tout cela oblige à avoir en tête les exigences
de qualité et d'excellence. Alors, quels sont les concepts de base qu'il est important de retenir? C'est d'abord la qualité. La qualité que le groupe ISO définit comme l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère une aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Deuxième concept de base, l'assurance de qualité. C'est l'ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou service satisfera aux exigences données relatives à la qualité. Et les produits de l'université, c'est d'abord les ressources humaines qui sont formées. Les services de l'université, ce sont les différents services à la communauté. Troisième concept de base, le concept de l'excellence. Dans le dictionnaire, on nous dit qu'il s'agit d'un degré élevé de perfection. Il faut préciser qu'il s'agit de perfection scientifique, qu'il s'agit de perfection technique et qu'il s'agit aussi de perfection humaniste. Perfection scientifique, cela ne demande pas d'autres détails. Technique, cela est compris de tous. Mais pourquoi humaniste? Humaniste parce que nous sommes des hommes et nous vivons en société. Et lorsque on vit en société, en communauté, il y a des règles. D'où l'importance de cette dimension humaniste, l'importance de l'éthique. Beaucoup de problèmes sont posés à différents niveaux dans le fonctionnement de l'université. Si, par exemple, comme dit un auteur, chacun se disait ce que je peux faire là, si on me le faisait à moi, est-ce que je serais content? Ce que je veux faire là, si mon ami, si mon père, si ma mère, si mon enfant, si mes collègues, si la presse l'apprenait, est-ce que je serais content? Rien que ces deux questions-là, si chacun se les posait, cela modifierait déjà beaucoup de choses. Donc, concept de base, la qualité, l'assurance de qualité et l'excellence qui est scientifique, technique et humaniste. Deuxième volet de cette communication, l'état des lieux. Cet état des lieux a été fait fondamentalement lors des deuxièmes journées. Bien sûr, il y a eu de nouveaux acquis, mais la structure générale demeure avec deux volets, les types de coopération interuniversitaire. Il peut s'agir d'une coopération au plan national ou au plan international, d'une université à une autre université ou par un réseau d'universités. Il peut s'agir de coopération entre universités et des institutions comme l'UNESCO, comme l'AUF, comme la CID. Il peut s'agir de coopération entre l'université et le milieu socio-économique. Et puis il y a la coopération avec les États, cela a été longuement décrit par le recteur dans son introduction. Il s'agit de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Chine et la liste est longue. Deuxième aspect de l'état des lieux, ce sont les objectifs de cette coopération tels qu'ils se manifestent à ce jour. Il s'agit premièrement de réduire les écarts avec d'autres universités. Deuxièmement, répondre aux attentes nationales. Troisièmement, répondre aux défis de la mondialisation et aux défis de l'intégration régionale. D'améliorer la qualité de la formation et de la recherche. Et puis enfin, le dernier point, mais pas le moins important, d'améliorer la gestion institutionnelle. Quelles sont les bases de cette coopération? Les partenaires
peuvent être représentés sous cette forme qu'on pourrait appeler le pentagone de la coopération universitaire. Il s'agit des décideurs politiques. Nous savons que c'est eux qui donnent l'orientation et c'est eux qui servent de garant. Il y a les milieux socio-économiques. Ils interviennent dans la formation parce que c'est des lieux de stage. Les professionnels interviennent dans l'enseignement également. Les milieux socio-économiques peuvent proposer des sujets de recherche. Les milieux socio-économiques sont le cadre de valorisation des résultats de la recherche. Et les milieux socio-économiques sont bien sûr la destinée des diplômés avec toute la question de l'insertion professionnelle. Autre catégorie de partenaires regroupés sous l'appellation institutions d'appui, qu'il s'agisse d'État, qu'il s'agisse de partenaires techniques et financiers, ils ont des ressources, ils ont l'esprit de solidarité et cela est utile. Il y a les communautés au service desquelles l'université est, communautés qui offrent aussi des ressources aux universités. Nous savons tout ce que différentes collectivités ont donné comme parcelle pour la construction des centres universitaires. Et puis il y a les services, les prestations de services de l'université vers les communautés. Et puis enfin, les universités elles-mêmes qui sont les premiers acteurs et les premiers bénéficiaires de cette coopération. Alors, quels sont les principes sur lesquels on peut insister en ce qui concerne cette coopération? D'abord, c'est la confiance et l'ouverture d'esprit. On ne peut pas coopérer s'il n'y a pas un minimum de confiance en l'autre. On ne peut pas coopérer s'il n'y a pas une ouverture d'esprit qui permet d'être à l'écoute de ce que dit l'autre et de comprendre ce que dit l'autre. Il y a l'engagement. On ne peut pas coopérer s'il n'y a pas un minimum de don de soi. Autre principe, c'est le partage des tâches et des responsabilités. La coopération, ce n'est pas un élément qui fait tout. Il y a un partage des tâches et des responsabilités. Il y a la valorisation des apports réciproques. Il y a la proactivité et la réactivité. Il y a ce que nous avons l'habitude d'entendre, le partenariat gagnant-gagnant. En d'autres termes, les gains mutuels et puis la gestion transparente axée sur les résultats. Le volet de renforcement de cette coopération, il y a un volet politique. Il faut cette volonté commune des responsables de part et d'autre. Il y a un volet juridique auquel il faut être attentif en ce qui concerne le transfert de technologies, le développement des compétences et la gestion des ressources qui sont mises à disposition dans le cadre de la coopération, qu'il s'agisse de ressources humaines, qu'il s'agisse de ressources financières ou de ressources en équipement. Il y a un volet technique. Volet technique, c'est d'abord la définition des normes, des indicateurs et des critères de qualité et d'excellence dans les différents secteurs qui nous concernent, c'est-à-dire dans le secteur de la formation. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une formation de qualité? Quels sont les critères? Dans le secteur de la recherche, dans le secteur des services à la communauté et dans le secteur de la gestion institutionnelle. Toujours sur le plan technique, il y a l'élaboration des outils de mesure de cette qualité et de cet excellent, ce qui permettra bien sûr de dire que nous avons souhaité ou nous ne l'avons pas encore. Toujours dans le volet technique,
il y a la mise en place des structures et mécanismes d'assurance qualité. Il y a la formation des acteurs à la démarche qualité et à l'utilisation des outils. Il y a un volet financement. Volet financement, c'est-à-dire le nerf de la paix. Le nerf de la paix. Volet financement, le financement est disponible toujours. Toujours. Là où nous avons des problèmes, c'est en ce qui concerne les priorités. Quelles sont les priorités que l'on met, que l'on choisit de part et d'autre? Et ensuite, l'ouverture vers d'autres sources de financement. Les dimensions de cette opération, il peut s'agir de projets à court terme, par exemple, organiser une session de formation continue. Il peut s'agir d'appuyer un projet de recherche. Il peut s'agir de projets à moyen et long terme. Projets à moyen et long terme. C'est ainsi, par exemple, que l'on est passé des formations pédagogiques à certains établissements, à la cellule de ressources en pédagogie universitaire. Et maintenant, on est au centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité. C'est un projet à plus long terme. Il y a un volet information et communication pour diffuser les expériences qui se font, mais aussi pour partager ces expériences, puisque c'est des démarches nouvelles dans nos universités. Il est bon de savoir, de comprendre ce que les autres font, leurs succès, leurs difficultés, et en tirer leçon. Et septième élément, le volet motivation. Volet motivation, parce que c'est d'autres activités qui vont être demandées aux différents clients. C'est d'autres investissements en temps qui vont être demandés. Et on ne peut fermer les yeux sur ce volet motivation qui ne consiste pas uniquement ou essentiellement en prime. Mais il y a différentes manières d'inciter les uns et les autres à s'engager dans ce processus de développement de la qualité et de l'excellence dans nos centres universitaires. Je voudrais conclure sur les deux points suivants. La qualité et l'excellence. Cela est indispensable pour la vie et le développement de toute unité de production. Et retenons que l'université est une unité de production. On produit le savoir, on produit des ressources humaines, on produit des services. Le rôle de la coopération repose sur la solidarité, le partage des tâches et des responsabilités et les gains mutuels. Lorsque nous avons retenu cela, nous pouvons, comme disait le recteur tout à l'heure, nous mobiliser pour une coopération au service de la qualité et de l'excellence dans nos centres universitaires. Je vous remercie pour votre attention.